La commune de Lac d'Odan à la Bénouée acquiert l'affranchissement des 41 conseillers que compte cette commune pour le compte administratif 2022 du maire et le compte de gestion du receveur soumis à l'étude et à l'approbation de l'organe délibérant. Dans une atmosphère sereine, ces comptes ont été appréciés et approuvés. Semblable à une plateforme, les travaux de cette session ont satisfait de l'exécutif, surtout avec la prise de conscience des uns et des autres pour le intérêt de tous. C'est un sentiment de joie qui m'anime en cette matinée parce que vu l'unanimité avec le conseil que vous avez constaté ce matin, la sérénité est en train de revenir parce que longtemps nous sommes en train de faire le bruit et nous avons tous compris que avec le bruit nous ne pouvons pas avancer dans le développement. Pour le maire de la commune de Lac d'Eau, la prise de conscience a permis l'amélioration du développement dans plusieurs domaines et engagement a été pris pour un défi qui les oblige à poursuivre les réalisations dans tous les domaines pour le bien-être et l'amélioration du cadre de vie des populations. Nous sommes tous sereins, nous sommes en train de chercher ce que nous connaissons bien évidemment, l'amélioration des conditions de nos populations. Et ce compte a été adopté pour l'exercice 2022. Et les différents domaines ont été nettement améliorés. En l'occurrence, le domaine de l'eau, le domaine des infrastructures routières, le domaine de l'habitat et j'en passe. Cette autre session ordinaire consacrée à l'examen et adoption du compte 2022 aura permis à la commune de Lac d'Eau sans doute de se donner les méthodes pour faire face aux multiples défis afin d'accroître les recettes de la commune. L'atteinte de ces objectifs est conditionnée par un travail des groupes dans un esprit de détermination comme leur a demandé le sous-préfet Moussa représentant la tutelle. Nous exhortons le conseil municipal, l'exécutif municipal, de travailler notamment dans le cadre du recouvrement des recettes propres, parce que le taux de recouvrement des recettes propres, n'est-ce pas, est insignifiant. Nous recommandons à l'exécutif communal de travailler en synergie, c'est-à-dire que l'exécutif municipal doit travailler en synergie. Ainsi que l'ensemble des conseillers municipaux, afin donc de leur permettre de réaliser les projets de développement en faveur des populations. Pour le budget de 2022, une prévision initiale de 5 214 862 371 francs CFA au 31 décembre 2022, 4 732 823 973 francs CFA ont été réellement recouvrés, soit un taux de recouvrement de 91%. Les dépenses sont effectuées à hauteur de 4 378 586 353 francs CFA. Pour le représentant du préfet, il est plus que nécessaire que la commune mobilise ses recettes propres. Au sorti de cette session ordinaire, il a donné des directives qui contribuent à l'amélioration de l'assiette fiscale.